tous, bienvenue à l'École nationale de la nature et du paysage de Blois qui nous accueille aujourd'hui pour les deuxièmes auditions du Parlement de Loire. Merci à Lolita Voisin, ici présente, de nous accueillir dans ces murs. Nous avons passé une matinée extrêmement agréable pour ceux qui n'étaient pas là. C'était une séance d'écoute des bruits de la nature proposé par le bioacousticien Boris Jolivet. Voilà, nous avions, il y avait un autre dispositif, il y avait des transats, il y avait des tapis, il y avait des petits masques. Et nous avons écouté et entendu les sons de la nature. On a même entendu la photosynthèse. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas là, écoutez, il y aura une autre occasion. Je me présente, je suis Maud Lefloc du Polo Pôle Art Urbanisme. On est notamment à l'initiative de ce projet autour des auditions du Parlement de Loire avec Camille de Toledo, que vous aurez l'occasion de rencontrer dans peu de temps, et vous dire que ce projet s'inscrit dans un programme un peu plus large qui est un programme lancé à l'occasion des 500 ans de la Renaissance par la région Centre-Val-de-Loire, à l'occasion aussi de la mort de Léonard de Vinci. Et nous avons lancé ce projet qui s'appelle Génie, dans l'idée de mettre en contact des artistes et des ingénieurs, de faire se frotter les mondes, le cerveau droit et le cerveau gauche, le monde du sensible avec le monde du rationnel, et la technique avec l'émotionnel pour apporter de nouveaux registres de réflexion. Nous avons l'honneur d'accueillir les représentants de la COP régionale et monsieur le président François Bonneau de la région Centre-Val. Vous dire que donc, ce programme prend cours sur l'année 2019, 2020, 2021, qu'on en est au tout début, et qu'avec Camille de Toledo, quand on se rencontre, quand on se rencontre à Delphes, notamment, quand on se met à travailler sur ces premières hypothèses de comment représenter la Loire, comment travailler sur ce système fleuve, à partir de tous les enjeux que pose la question du fleuve et de la Loire, très vite, Camille apporte une réponse, et sa réponse, c'est « on ne sait pas ce que peut être un Parlement de Loire, personne ne sait ce que peut être un Parlement de Loire, ce Parlement de Loire peut être une fiction qui peut résonner avec une réalité, qui pourra devenir réelle, pourquoi pas, mais aujourd'hui, pour fabriquer cette chose-là, nous avons besoin de faire des auditions. Nous allons auditionner toute une série de personnes, et c'est la proposition que fait Camille de Toledo, qui est écrivain et qui est juriste, et qui nous fait cette proposition de rentrer dans une fiction parlementaire inter-espèce, inter-société. Vous dire que également que Camille de Toledo a réuni autour de lui une commission pour faire ses enquêtes. Et donc cette commission est composée de Lolita Voisin, donc, qui dirige l'École nationale de nature et paysage, de Bruno Marmiroli, qui dirige la mission Val-de-Loire, en charge du patrimoine mondial de l'UNESCO et de préservation du climat, de Virginie Cernin, qui est archéologue, qui travaille à la DRAC, qui régulièrement plonge dans la Loire, notamment qui travaille sur une épave formidable qui est du côté de Langers. De Pascal Ferren, qui est philosophe, qui est urbaniste aussi et qui a longtemps travaillé au Polo. De Stéphane Cordobès, du CGET, Commissariat Général à l'égalité des territoires. Et de Joanne Prognier, du COAL, Coalition Art et Écologie. Voilà, donc c'est une commission qui enquête, qui écoute, qui auditionne toute une série de personnes, des juristes, des pêcheurs, des spécialistes du fleuve ou des moins spécialistes pour savoir qui peut représenter au sein d'un parlement des vivants et des non-vivants ces sujets et ces enjeux autour du fleuve. Nous avons le plaisir aujourd'hui pour cette deuxième séance d'audition du Parlement de Loire d'accueillir deux juristes spécialistes. Ils nous diront de quoi ils sont spécialistes parce que ce sont des juristes particuliers.
Jean-Pierre Marguenot et Jacques Leroy, donc, qui vont commencer sur cette premier temps d'audition. Puis Catherine Boineau, qui est écologue, ici présente. Où est Catherine Boineau? Ici, Catherine Boineau. Et Catherine est également une pêcheuse, ou a été pêcheuse de Loire. Et enfin, Catherine Larère, qui est philosophe, qui est ici présente et qui vient de nous rejoindre depuis Paris. Nous terminerons les auditions à 18h. Il n'y aura pas de pause, pour dire. Voilà, donc c'était pour fixer un peu le cadre. Vous dire que cette organisation des auditions du Parlement de Loire et plus largement ce projet que nous menons se fait avec les différents partenaires, la Mission Val-de-Loire en l'occurrence, Cyclic, l'Agence régionale du livre, de l'image et du cinéma, l'INSA, la COP régionale aussi, qui accueille et que nous accueillons, enfin il y a une espèce de co-accueil dans ce projet, et le COAL, également Coalition Agroécologie. Et pour finir, vous dire que cette journée a été organisée par l'équipe du Polo et je l'en remercie chaleureusement. Voilà, donc une haute attention. Et c'est une fabrication, vous voulez le dire, qui se fait autant avec la tête, avec le cœur et avec le ventre aussi. Voilà, parce qu'il y a du ventre. Vous dire, pour finir, qu'il y a une fiche pour le covoiturage, pour ceux qui aimeraient rentrer ici, là ou ailleurs. Voilà, merci. Je passe la parole à Camille, qui va introduire la séance. Merci à vous. Bien, merci beaucoup. Maud vous a présenté un générique. Je suis là pour le trailer, si vous avez fait toutes ces notions. C'est-à-dire vous exposer un peu le chemin parcouru par le personnage principal, en tout cas de cette narration. Je présente les auditions du Parlement Loire souvent comme une narration collective, une narration à enjeux multiples, à multiples savoirs. Mais le personnage principal de cette narration, celui qui subit en quelque sorte et qui passe par des états, c'est la Commission, qui est donc cette instance qui, voilà, on voyage ensemble, on discute beaucoup. Hier, on était encore réunis. On avance dans des réflexions, on cherche à entendre, à comprendre. Les auditions du Parlement Loire, j'ai dit, c'est une narration. C'est une narration où on écoute beaucoup. Et donc, je voulais un petit peu vous raconter ça. J'ai trois choses, ça dure 10 minutes, ce petit moment de parole. Je vais même le raccourcir. Remercier évidemment encore et toujours toutes les équipes qui rendent cette narration possible. Vous remercier d'être là. Je voulais essayer d'éclairer, d'apporter, Maud a apporté quelques éclaircissements sur qu'est-ce que c'est que ces auditions du Parlement Noir. En dire un mot, raconter ce chemin de commission, par quoi on est passé. Brièvement, vous parlez des cartes qui sont présentes ici, pour qu'on les regarde aussi un peu plus longuement au fil de cette journée. Ce sont les cartes d'un cartographe hongrois, qui s'appelle Roberto Zux. Et le déroulé de l'après-midi a été déjà présenté, donc je reviendrai pas. Qu'est-ce que c'est que ces auditions du Parlement de l'Ordre? Je l'ai dit dans l'audition 1, qui était donc à Tours. Je travaille, moi, depuis longtemps, sur ce que j'appelle des fictions institutionnelles, ou ce qui serait aussi des institutions à venir. Au fond, un changement d'un état institutionnel qui permettrait de se rapporter autrement au vivant. Donc on pourrait dire que les auditions du Parlement Noir, c'est un processus d'écoute par lequel on va essayer de réfléchir à comment réformer, changer des institutions pour transformer nos institutions. C'est donc un outil, je l'ai écrit, mon correcteur d'orthographe l'a corrigé lui-même. J'avais dit c'est un outil réel fictionnel. Il a écrit frictionnel. C'est quelque chose qui est comme ça, j'ai besoin de mes deux mains. Mais il y a ce réel fabriqué par des institutions humaines dans lesquelles nous vivons. Nous sentons à bien des égards que ces institutions dans lesquelles nous vivons sont comme des cadres qui sont devenus parfois trop contraignants et qui n'écoutent plus bien l'entièreté des étangs, des vivants et des non-vivants qui sont dans le monde. Parfois, c'est cette couverture institutionnelle dans laquelle nous avons vécu depuis peut-être finalement l'État-nation, le 18e, ces grands changements représentatifs, ces manières de changer les représentations pour que ce soit désormais des entités plus larges, qu'on a appelées des nations ou des peuples. Mais on sent que cette couverture institutionnelle porte en soi parfois un oubli d'un monde plus large,
qu'on peut appeler nature, qu'on peut appeler vivant, non vivant, qu'on peut appeler non humain. On cherche d'ailleurs encore nos vocabulaires. Et qu'il va falloir, qu'il faut sans doute complètement revoir cette manière de représenter le monde. Donc, notamment justement ces cartes sont là en témoignage de ce changement cartographique. Et donc les auditions sont là pour ça, pour essayer de voir comment est-ce qu'on doit, comment est-ce qu'on devrait penser des institutions à venir. Je reviens sur ces fictions institutionnelles. Et pourquoi je parlais de friction? C'est parce qu'une fiction, ça rentre en quelque sorte en conflit, en complémentarité avec ce qui nous est donné. Et pour moi, ça a toujours été très important, je vous le dis ici, c'est de produire une fiction ou une narration qui nous permette de prendre conscience combien nous vivons déjà, nous, sapiens, dans des narrations. Comment l'État-nation est une fiction. Alors je me réappuie sur ces cartes. Ces cartes, elles font quoi? Elles nous présentent un état du terrestre qui est irrigué par de l'eau, comme des veines dans un corps vivant, comme dans un organisme, des artères, sur les différents continents. Ce qu'on a, c'est une représentation par bassin versant. Et maintenant, lorsqu'on les regarde, ces cartes, on voit que finalement le quadrillage administratif, donc le quadrillage humain, les institutions humaines qui se sont posées par-dessus, ne représentent en rien en fait ce qui est là, matériellement là. Que sont donc là précisément cette vue en bassin versé. Donc on voit qu'à chaque fois, c'est les constructions administratives, politiques, comptables, dans lesquelles nous vivons en quelque sorte, sont porteurs d'un certain réel, et que ce réel est comme un habit trop étroit aujourd'hui, et qu'il faut arriver à le déplacer. Et en créant cette fiction parallèle au réel, les auditions du Parlement noir, c'est comme si on cherchait à aller à la découverte des imaginaires, d'autres imaginaires institutionnels, d'autres manières de penser le rapport au vivant. Voilà, donc il y a des écoutes sensibles comme ce matin, il va y avoir des séquences qui sont plus ardues, plus juridiques, parfois plus philosophiques, parfois qui toucheront à des questions d'éthique, ça touche à des questions scientifiques, mais en tout cas, le geste est celui d'un élargissement de nos écoutes. Donc, comment est-ce que l'on écoute plus vastement? Je voulais vous dire un mot donc, du chemin qui a été celui de la Commission. À Tours, on a entendu Bruno Latour, Frédéric Aïkpoati, et puis Bruno Marnier-Wally et Virginie Cernin, dans un premier temps. Et puis, au sortir de ça, il y a cette question, c'est vrai, en vue, qui est comment est-ce qu'on pense un mode de gouvernement du vivant qui est plus vaste, je disais, mais qui est donc interspécifique. Comment est-ce qu'on représente autrement celles et ceux avec lesquels nous vivons et dont nous vivons. Ce qui est ressorti fortement de cette audition, c'est notamment une phrase de Bruno Latour sur la nécessité de produire des fictions, d'autres narrations. C'était aussi les complications dans lesquelles on est, parce que si on a des représentants des non-humains, comment est-ce qu'ils vont les représenter? Comment est-ce qu'on va leur donner des voix? Comment est-ce qu'ils vont être écoutables dans un langage? Comment est-ce qu'ils vont être traduisibles? Et il ressortait aussi des phrases de Frédéric, d'ailleurs de Virginie Cernin et de Bruno, qui disaient aussi cette écoute fine, ce qu'on a fait ce matin, cet exercice d'écoute fine, se porter notre écoute pour écouter autrement le monde, pour cesser de couvrir sans cesse de nos bruits humains. Donc, les solutions avec lesquelles on partait, les schémas, les dessins se sont déplacés. Et donc aujourd'hui, c'est la suite de ces déplacements. Et maintenant, si on pose en termes d'objectifs, parce que le politique, sans doute, souvent veut refermer sur des objectifs, quels seraient les objectifs de ces auditions du Parlement de Loire? J'ai pensé à vous en présenter deux qui n'aboutissent pas à un résultat factuel. Il y en a un troisième qui sera un livre qui rendra compte des débats, des discussions, des auditions. Il sera un outil, j'espère, pour toutes celles et ceux qui veulent œuvrer à ce changement-là de paradigme. Mais les deux objectifs, il y en a un, je crois, dans lequel nous sommes déjà tous collectivement engagés, notamment par les questions sur l'anthropocène, le capitalocène, la destruction de la biodiversité. C'est précisément ce qu'on pourrait appeler un chemin plus de conscience. Comment est-ce qu'on change l'imaginaire, les consciences, le rapport au monde? Et ça, c'est presque sur un plan intersubjectif. C'est ce qui se passe pour nous dans une journée comme celle-ci, ce qui se passe pour nous quand nous lisons un livre de Catherine Larère, de Bruno Latour,
de Frédéric Aïtouati sur Terraforma, et d'ailleurs je vous invite à découvrir cette table librairie, qui sont chaque fois des livres qui nous aident à transformer notre manière d'écouter. Et ça, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, je pense qu'on est tous, et c'est le chemin aussi de la commission, c'est le chemin que nous faisons en écoutant. Comment est-ce qu'on transforme le rapport que nous avons au monde. Et puis le deuxième objectif, qui parfois peut sembler contradictoire, c'est, on touche à la question institutionnelle, c'est comment changer nos institutions, comment fixer un horizon, si vous voulez, pour des réformes institutionnelles, pour que nous gouvernions autrement, que nous nous rapportions autrement au monde. Et ça, c'est un objectif à court, moyen, long terme. C'est un objectif qui a des combats sur la reconnaissance de l'écocide, sur la limite planétaire, sur chaque fois une prise en compte de la biodiversité, sur un changement des paradigmes pour penser le développement. Il y a toutes ces choses-là. Mais au final, il y a quelque chose qui, sans doute, est un objectif d'opposition. C'est comment est-ce que l'on fait entrer dans le monde d'autres sujets de droit, et vous en entendrez beaucoup cette question-là cet après-midi aussi, comment est-ce que l'on fait entrer d'autres sujets de droit qui sont capables de nous répondre. Quand je dis nous, c'est sapiens, humain. Comment est-ce que ça s'oppose? Et ça semble contradictoire avec cette écoute. Cette écoute, c'est reconnaître que nous vivons, que nous sommes entrelacés, que nos vies dépendent d'autres formes de vie. Et ça, c'était très frappant dans l'audition 1 que vous pouvez désormais voir en ligne avec Bruno Latour et Frédéric Aïtouati, c'est qu'il y a eu ce débat. Une voix qui disait ce que nous avons à penser et à vivre et à reconnaître, c'est notre entrelacement, notre emmêlement. Et ça, c'était la voix de Frédéric et de Bruno. Et c'est ce chemin-là qu'il faut refaire. Et je tiens à le souligner, c'est que c'est un grand chemin, puisque jusque-là, l'espèce avait tendance à s'affranchir, à penser le développement comme étant un mode d'affranchissement, c'est-à-dire couper les liens que nous avons avec le monde. Or là, tout d'un coup, ce qu'on a à penser, c'est des nouvelles attaches, ou un réattachement, un réemmènement. Ça, c'était la voie portée par René. Et il y a une autre chose qu'on a à penser, c'est des rapports de force. C'est des rapports de force et c'est des violences. Et c'est des violences qui sont parfois de marché, qui sont parfois des violences du développement, des manières de concevoir le développement. C'est des violences parfois qui sont institutionnelles. Et c'est là qu'on quitte en quelque sorte la vie entrelacée pour faire émerger d'autres sujets qui vont s'opposer à nous. Et là, c'est l'histoire qui nous sert de point de départ aussi au Parlement, aux auditions du Parlement de Loire, qui est l'image de la loi néo-zélandaise qui a donné des droits, qui a personnifié le fleuve Whanganui en 2017. Mais il y en a eu beaucoup, en fait. Désormais, ça se développe très très vite, ces histoires. Et là, il faut vous représenter la chose. C'est on crée un méta-sujet, ou un sujet collectif, ou une autre forme de sujet juridique, qui va pouvoir répondre à nos agencements, à nos désirs, à nos envies, à nos formes, à nos décisions politiques. Et ça crée une autre forme de conflictualité et une autre forme de négociation. Et donc, ça semble contradictoire. Voilà. Et peut-être qu'on en est là aussi, à essayer de voir comment ces choses s'agencent. D'une part, ce trajet de conscience et de changement pour nos vies, pour être plus entrelacés, pour se réattacher. D'autre part, repenser les formes du conflit pour que ça nous réponde, si ça est un ça, pour que ça fasse encore opposition. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je crois que ça fait une assez belle transition avec toi, Pascal, pour accueillir donc celles et ceux, enfin surtout ceux, pour cette première table ronde, cette première audition, qui vont nous parler donc de ces questions de personnalité juridique, c'est-à-dire ce sujet qui s'opposerait ou non. Merci beaucoup. Notamment autour de l'environnement et de l'animal.
Et Jean-Pierre Marguenot, vous êtes professeur de droit privé également, spécialiste du droit animalier depuis quelques années. Vous venez de l'université de Limoges. Vous êtes à l'université de Limoges. Non. Vous en défendrez. Vous êtes en tout cas tous les deux des spécialistes de questions de droit animalier. Ça pourrait peut-être vous paraître un petit peu à côté de la question qu'on touche, mais on y reviendra pourquoi c'est un à côté intéressant. Soulignons par exemple que vous avez d'ailleurs l'ouvrage ici publié en 2016 avec Florence Burga, un livre sur le dernier de référence sur le droit animalier. Pour ouvrir cette séance avec vous, je vais rappeler donc qu'il y a en quelque sorte deux grandes hypothèses dans toute cette question des auditions du Parlement. Il y a une hypothèse autour de cette question du Parlement, donc qui est une hypothèse plutôt politique, comment on discute, comment on fait corps. Et il y a une question plus juridique, et donc c'est plutôt cette deuxième question qu'on va aborder avec vous. Je le précise immédiatement, et peut-être qu'on le reprécisera, mais qu'on va bien se situer pendant une heure avec vous dans un cadre droit, et on va essayer de réfléchir à juridiquement qu'est-ce que ça veut dire que cette question de la personnalisation, dont on parle beaucoup. Donc je vous pose immédiatement la première question, elle est un peu béotienne. On a donc cette hypothèse de travail qui pourrait être intéressant de reconnaître la personnalité juridique à la loi. Donc avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une personnalité morale dans le droit? Alors oui, j'en ai un peu. Merci. Je peux rappeler ce qu'est une personnalité juridique. Je voudrais vous dire une chose avant de commencer, c'est que, en dehors de remercier donc, les organisateurs de m'avoir invité, et je pense que c'est la même chose pour Jean-Pierre, mon ami. Tout à fait. On a l'impression qu'on se retrouve à l'aube du XXe siècle, lorsque se sont mis en place des groupements, que ce soit des associations, des sociétés commerciales, les NET, la révolution industrielle, et qu'il fallait leur reconnaître une place dans la société. Parce que la théorie de la personnalité juridique, c'est à l'origine une théorie de l'homme, en fait, la personnalité humaine, puisque les seuls qui pouvaient avoir une personnalité juridique, ce sont les êtres humains. Les animaux sont des meubles, étaient des meubles, évidemment. Et quant aux éléments de la nature, évidemment, donc, ils n'entraient pas en ligne de compte, si ce n'est pour établir des principes d'un rattachement donc, à la nature, donc, le droit naturel, mais pas pour ce qui concerne les relations qui peuvent se tisser entre une société et ses éléments. Le droit est fait pour les hommes, il a été créé pour cela, et il a été fait pour organiser une société. Or, à l'origine, les individus ne sont pas distingués, font partie d'un groupe. Il y a des hellénistes, d'ailleurs, qui ont dit que la personnalité a commencé à exister le jour où, sur les bases antiques, les silhouettes noires ont cédé la place donc, à des visages éclairés. Ce qui montre que finalement on prend conscience que derrière des individus, eh bien, il y a des personnes. Voilà. Alors ces personnes, on leur a donné un nom, il a fallu évidemment les individualiser, donc les identifier, il a fallu donc les rattacher à un lieu, et ça a conduit, sinon ça n'avait guère d'intérêt, à en faire des sujets de droit et de leur attribuer des prérogatives, des droits. Donc les droits de la personnalité, comme on les appellera plus tard. Et puis, ces sujets de droit, eh bien, étaient dotés d'un patrimoine. Et des juristes célèbres du début donc, du XXe siècle avaient développé la théorie du patrimoine comme étant l'émanation donc, de la personnalité. À savoir que c'était une potentialité. Mais un patrimoine qui est essentiellement un patrimoine économique. Voilà. Et donc, l'idée que autre chose que des êtres humains individualisés puissent avoir la personnalité juridique,
était inconcevable à la fin du 19e et au début du 20e, quand on s'est interrogé sur, comme je le disais tout à l'heure, les sociétés commerciales, les associations. Et donc, il y a eu cette réflexion. Faut-il, un peu comme aujourd'hui, s'interroger sur l'éventualité de donner la personnalité juridique à une entité naturelle? Donc, à l'époque, ce n'était pas une entité naturelle, c'était un groupe d'individus. C'était peut-être plus facile, d'ailleurs, à cette époque qu'aujourd'hui, compte tenu que c'était un assemblage de personnes. Et donc là, vous aviez des thèses qui étaient complètement opposées. Il y avait ceux, et la phrase est restée célèbre, donc elle est due à deux juristes, donc de l'école de droit public de Bordeaux, donc Gèze et Duguy, qui disaient qu'ils n'avaient jamais déjeuné avec une personne morale. Ils n'avaient jamais vu une personne morale mettre son chapeau au porte-manteau. Donc la personne morale n'existe pas. Il n'y a que des individus. Et s'il s'agit de savoir à qui appartiennent les biens d'une société commerciale, eh bien, ils appartiennent à chacun des individus en copropriété, mais sûrement pas à la personne morale qui n'existe pas. Et puis à l'inverse, vous aviez donc des thèses qui retenaient la thèse de la fiction. Donc, les juristes aiment beaucoup les fictions, qui demandaient à être représentées, et une personne morale créée pour les besoins de la cause, notamment la gestion d'un patrimoine, et puis vous avez la thèse de la réalité qui s'est mise en place. Réalité psychosociologique, si on considère que la société existe par elle-même, qu'elle a des organes, réalité technique, qui est une déduction de celle-là, qui à ce moment-là est le produit d'un atelier intellectuel qui va créer une structure, une espèce de squelette, si vous voulez, pour donner vie à cet être qui est abstrait. C'est vrai que, comme disait un autre juriste, je n'ai peut-être jamais vu une personne morale déjeuner avec moi. En revanche, je l'ai souvent vu payer l'addition. Ça montre quand même que, finalement, elle existe quand même pour certains. Voilà, donc la personnalité juridique, c'est une aptitude à être titulaire de droit. Voilà, c'est ça. Donc, de pouvoir les revendiquer et d'avoir une place dans la société. Il y a une sorte même d'élogie, une valorisation. Et je prendrai l'exemple de la comparaison entre le droit civil et le droit pénal. Si vous prenez le droit pénal, quand on parle de l'auteur de l'infraction, on parle souvent du délinquant, et souvent, la police aime bien cela, des individus. Ah, il y a un individu qui se... On ne parle pas de personne. Jamais de personne. En revanche, dans le code pénal, vous avez un livre 2 qui a pour objet les infractions contre les personnes. Donc là, c'est un peu différent. La personne est victime, elle est atteinte. Donc on doit la prendre en considération. Mais celui qui porte atteinte ne mérite pas la considération, c'est un individu, ou un délinquant, ou l'auteur de l'infraction. Donc ça montre bien ce qu'il y a derrière la notion de personne. C'est lourd de sens derrière cela. Donc voilà le problème tel qu'il se pose et l'enjeu d'ailleurs qu'il y a aujourd'hui, puisque quand on sait ce qu'est la personnalité juridique, qui donne corps, qui est l'émergence de l'homme ou d'un être dans le droit, puisque c'est ce qui fait entrer un individu dans le droit, sa prise en considération, on voit la portée que ça peut avoir, que ce soit pour les animaux, mais sinon que ce soit pour la loi qui nous retient aujourd'hui. Et est-ce que vous pouvez nous parler, est-ce qu'il y a des prérequis pour devenir une personnalité juridique? Comment on décide que quelque chose, un groupe de choses, un groupe de personnes, un groupe de thèmes. Tu peux continuer, mais pas dans le Moi, j'en ferai. Pendant que tu cherches des insultes, je précise que j'ai été longtemps professeur à l'Université Limoges. Maintenant, j'appartiens au centre de recherche de Montpellier. Donc, tu as retrouvé tes notes. Je peux apporter quelques éléments de réponse. Dès qu'on parle de personnalité
juridique d'autres entités que les êtres humains, et il faut, je crois, lire un article majeur d'un des plus célèbres juristes français de la première partie du XXe siècle, qui s'appelait René de Mogue. Personne parmi vous n'a entendu parler de René de Mogue, mais tout le monde connaît une distinction majeure à laquelle il a attaché son nom, c'est la distinction entre les obligations de moyens et les obligations de résultats. Tout le monde s'appelle René de Mogue, qui est en 1939, qui montre à quel point c'était un juriste avisé, parce que la plupart des autres juristes de sa période ont vécu quelques années de plus, se sont tous discrédités. C'était un malin. Et donc, il a écrit un article majeur qui s'intitule « La notion de sujet de droit », qui figure à la revue trimestrielle du droit civil de 1909, page 611 et suivante. Et je crois que quand tous les juristes qui veulent parler de la personnalité juridique des autres que des êtres humains doivent commencer par lire cet article, sinon ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et René de Mogue, dans cet article, a cette définition qui me paraît utile pour la suite des opérations. La qualité de sujet de droit appartient aux intérêts que les hommes vivant en société reconnaissent suffisamment importants pour les protéger par le procédé technique de la personnalité. Donc il y a la notion d'intérêt, et d'intérêts qui sont reconnus par les hommes vivant en société. Ça vient de nous. Et c'est nous qui décidons ce qui est suffisamment important pour être protégé par le procédé technique de la personnalité. Vous voyez qu'il y a une sorte d'assimilation entre sujet et personne. Je crois qu'il y a, au fond des choses, il y a une nuance entre personne et sujet de droit, mais si on veut avancer, je crois qu'il faut les tenir pour équivalentes. Donc, le prérequis, il est là. Qu'est-ce que les hommes vivant en société considèrent-ils à un moment donné comme suffisamment important pour que ça devienne protégé par le procédé technique de la personnalité? Ça m'a épuisé. Je pourrais ajouter à ça que ces intérêts légitime, qui justifie donc la personnalité, donc sont présentés donc comme des intérêts légitimes juridiquement protégés, justement. Bon, ce qui fait naître ce qu'on appelle, dans le jargon des juristes, les droits subjectifs, en opposition aux droits objectifs qui font sa chose dans la loi, voire dans la jurisprudence. Donc les droits subjectifs, ce sont les intérêts donc attribué donc à chacun. Et on pourrait, pour montrer l'utilité que ça représente, hein, prendre l'exemple de la naissance des droits de la personnalité. Il y a un temps où on n'en parlait pas. Moi, lorsque j'étais donc étudiant, on les évoquait, mais ils n'avaient pas l'importance qu'ils ont aujourd'hui. Puisque, à l'époque, ce qui comptait, c'était la protection par la responsabilité civile. C'est-à-dire que quand on portait atteinte à la vie privée, portait atteinte donc à l'image, eh bien on se servait de l'article, à l'époque c'était 182, maintenant c'est tout 140 du Code civil, donc, qui est la base de la responsabilité civile. Et puis à un moment donné, eh bien, donc, on s'est aperçu que ce n'était pas suffisant d'attendre que les juges fassent respecter l'obligation de ne pas porter atteinte donc, à autrui. Et sont nés, comme cela, les droits revendiqués à ce moment-là par l'individu. Donc une protection beaucoup plus forte. Et je ne suis pas mal placé, mais je crois que Jean-Pierre Marveno est mieux placé que moi pour parler donc, des droits de l'homme, donc, qui justement valorise donc, l'homme et lui apporte une protection qui dépasse même d'ailleurs la protection du droit à l'image, du droit à la vie privée, la présomption d'innocence. Donc il y a vraiment cette idée que c'est l'intérêt donc, qui fait donc, le droit d'ailleurs et qui fait évidemment au-delà la personne. C'est
Alors cette personnalité, bon, bah, elle a ce patrimoine donc, aussi qui lui donne évidemment plus de puissance. Donc si on l'attribuait donc à la Loire, eh bien à ce moment-là, il faudrait lui donner donc un patrimoine, donc, mais un patrimoine qui serait autre que un patrimoine purement économique. Et là, je crois que c'est facile à comprendre, puisqu'aujourd'hui, la notion de patrimoine a complètement changé. On parle de patrimoine culturel, on parle de patrimoine architectural, patrimoine naturel, justement. Donc, et un autre juriste célèbre, Jean Carbonnier, donc, sans même, d'ailleurs, sans l'apercevoir, peut-être, avait écrit qu'il y avait une analogie entre le patrimoine classique de la personne physique et le patrimoine donc, naturel, qui fait que ce patrimoine naturel se transmet, également, comme le patrimoine économique se transmet par l'héritage, là ça se transmet aux générations futures, et que ce patrimoine, écrit-il, donc c'est le patrimoine de la personne, virgule, France. Donc finalement la France, donc c'est une coquetterie de langage, donc, mais c'est lourd de sens aujourd'hui, quand je l'ai revu ça, j'ai dit finalement, bon, il faisait preuve de préscience en disant que la France, donc le pays, donc pouvait être une personne donc, avec ce patrimoine qui intéressait tout à chacun, tous ses citoyens. Ça tombe bien que vous alliez par là, parce que des questions que se pose la Commission et dont je me fais le relais, c'est à quelle échelle doit-on placer la personnalité ? D'ailleurs, je l'ai dit en introduction, vous plaidez souvent pour le fait que les animaux et la personnalité juridique. Donc, ce qui pose aussi également une question de ce que c'est l'individu animal, de ce que c'est l'espèce, etc. Ou est-ce que c'est, alors là on peut encore vous dire, l'entité naturelle ou alors là, le pays, pourquoi pas la nation. Je vous en laisse le juge. Genre, on va rester à la loi. Donc, est-ce qu'on peut parler une seconde de cette idée que finalement cette échelle de l'entité naturelle par rapport à l'échelle de l'espèce animale, qu'est-ce que ça change ? Est-ce que ce ne serait pas plus efficace ou moins efficace que de s'arrêter à l'espèce ? Je crois qu'il faut introduire une autre notion, une autre donnée. Toute personnification d'une entité autre que les êtres humains a toujours une dimension symbolique et une dimension pratique et technique. Et souvent, les deux sont un petit peu entremêlés. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une portée symbolique qui marquerait une meilleure prise en considération de telle ou telle autre entité que les êtres humains, ou est-ce qu'on veut une entité, une efficacité pratique concrète ? Est-ce que l'on veut que ça change tous les jours quelque chose pour l'entité en question, la Loire, les animaux, ou ce que soit. Et si on aborde la deuxième question, eh bien, il faut se poser concrètement, ça va changer quoi ? Et ça se pose pour les animaux, ça peut se poser pour d'autres entités naturelles, ça peut se poser peut-être pour les robots. Au mois de mai dernier, à Montpellier, nous avions organisé avec Claire Gall un colloque intitulé « Les droits des êtres humains et des autres entités ». Et on avait choisi des autres entités et non pas les droits des êtres humains et des non-humains. Parce qu'en droit, il vaut toujours mieux une définition positive qu'une définition négative. Comme Valérie Maillet, on propose de singer, si j'ose dire, les anglo-saxons, pour la personnalité juridique non-humaine. Et la personnalité juridique non-humaine, ça vaudrait et puis c'est négatif. Donc il faut chercher le meilleur outil, et j'en reviendrai à Demog qui répond exactement à votre question. Il écrivait quand on parle de la personnalité juridique des animaux, on songe à Héliogabale faisant son cheval consul. Mais disait-il, il ne s'agit pas de cela. Ceux qui posent la question, ces termes-là, ne la posent pas sur le bon terrain. Le bon terrain, c'est, même pour les animaux, même pour la loi, même pour d'autres entités, la personnalité juridique est-elle un instrument commode
pour améliorer, à un moment donné, la protection qu'on veut leur donner. Alors, c'est là, je crois qu'il faut citer. Il y a l'aspect théorique symbolique, qu'il ne faut pas négliger, même pour la loi, et si ça tenait là, ça serait déjà quelque chose. Mais il y a l'autre volet, le volet technique. Qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que ça serait commode pour changer complètement quelque chose? Et ben, je crois que c'est tout l'objet des débats qui restent à lire, parce que c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça peut changer concrètement? Et on peut avoir des idées les uns les autres sur ce que ça pourrait changer concrètement. Ce qu'on doit pouvoir dire avec Jacques Leroy, mon ami aussi. C'est de montrer que si vous établissez que ça serait utile de protéger la Loire de telle manière, nous avons à votre disposition l'outil commode pour y parvenir. Vous avez bien fait de nous inviter. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser en quoi il est commode? Ah, mais j'attendais pas une question. Est-ce qu'il va la poser? Bien, alors en quoi est-il commode? Moi, je peux vous répondre pour les animaux, et Jacques Leroy répondra pour tout le reste. Bien, alors qu'est-ce que ça pourrait changer pour les animaux? Beaucoup, dont Jacques Leroy, ici présent, lorsqu'on débattait de la personnalité juridique des animaux, donc moi j'ai commis une thèse à la fin du siècle dernier sur la personne, sur l'animal en droit privé, où je soutenais déjà que les animaux méritaient ou pouvaient recevoir en tant qu'outil commode une personnalité juridique technique comparable à celle dont sont revêtues les personnes morales sans que ça trouble personne aujourd'hui, alors que je vous l'ai rappelé tout à l'heure, au XIXe siècle, c'était un enjeu rude. Et délicat. Pour les animaux, certains, dont Jacques Leroy, soutenaient qu'on pouvait améliorer leur protection en se contentant du point de vue pénal, en multipliant les infractions, en augmentant les peines et en poursuivant les infractions constatées le plus souvent possible, et qu'il suffisait de jouer sur ce paramètre-là. Et beaucoup, notamment Stephen Weiss, un juriste philosophe américain qui se bat depuis des années pour faire reconnaître la qualité de personne juridique non humaine, comme dit ça va, à des grands singes, a écrit que pour faire avancer concrètement la protection des animaux, il faut compléter la protection pénale par une protection civile. Parce que sur le plan civil, si on n'est pas une personne, c'est comme si on n'était rien et c'était comme si on était mort. Et bien pour les animaux, passer à la reconnaissance pour certains de la personnalité juridique technique, ça permettrait de relayer sur le plan civil la protection nécessaire à ce qu'on appelle le bien-être. Le bien-être des animaux, ce sont souvent des obligations négatives qui peuvent être pénalement sanctionnées, mais ce peut être aussi des obligations positives derrière lesquelles il ne peut pas y avoir d'infraction pénale. Et c'est là que Jacques Leroy, tel un saint Paul sur son chemin de gloire, a réalisé, après cette cossée de mes positions pendant une vingtaine d'années dans la revue industrielle de droit animalier que nous avons actuellement pour gars fondée en 2009, et bien il a reconnu tout ce que j'avais enseigné pendant 20 ans, c'était des âneries, et maintenant je me suis bien rendu compte que pour faire progresser concrètement, qu'est-ce que ça apporterait aux animaux, la personne a dit, je dirais, c'est ça, leur conférer des intérêts correspondants aux obligations positives nécessaires pour assurer leur bien-être. Donc ça changerait ça très concrètement. J'ajoute que la personnalité juridique pour quelle entité que ce soit, ça présente un intérêt majeur qui est ce qu'on appelle en droit le droit d'ester en justice, c'est-à-dire le droit d'agir devant des tribunaux par des représentants spécialement désignés. J'introduis encore une petite réserve.
pouvoir agir en justice, ça ne signifie pas que l'on va gagner en justice. Parce qu'il y aura des intérêts opposés et contradictoires. Mais ça signifiera au moins qu'on pourra y aller avec ses intérêts propres, correspondant à des droits subjectifs. Voilà ce que je pouvais. Moi, je ne pouvais pas plus. Alors, on peut, à ce moment-là, donc, étendre la réflexion donc, à une entité naturelle et la compléter. Compléter, ce que vient dire Jean-Bernard Reynaud, par une dimension plus politique, rebondit d'ailleurs sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de l'entrelacement entre les hommes et puis les éléments de la nature. Bon, et il y a là deux chercheurs canadiens, Donaldson et Kim Lipka, qui ont voulu faire de l'animal un citoyen, ce qui est encore allé plus loin que d'en faire un sujet de droit citoyen cette fois-ci. Alors, non pas pour lui permettre d'aller voter le dimanche matin, mais simplement pour l'insérer dans le contrat social, dans le pacte social, donc qui lie les hommes entre eux, bon, le fondement de la démocratie, hein, Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, bon, qui assoit la démocratie sur le contrat social. Et ce contrat social n'est considéré que liant que les hommes qui exploitent les animaux, qui sont des choses, ou qui exploitent la nature. L'intégrer dans le contrat social, c'est évidemment changer le regard de l'homme vis-à-vis de ce qui va s'y ajouter, et donc l'animal, ou la nature. Donc c'est une dimension qui vient renforcer en fait l'approche purement technique, juridique, bon, qui permet de donner encore une fois, un squelette, une architecture à un être. Alors pour l'animal, c'est plus facile parce que la personnalité juridique est attribuée à des êtres humains qui sont des êtres vivants, donc doués de sensibilité, évidemment. Donc les animaux, ce sont des êtres vivants, doués de sensibilité, donc on pourrait très bien le concevoir avec la réserve que, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, que donner la personnalité juridique aux animaux, n'est-ce pas en faire un rival ou en faire des rivaux de l'homme? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas perdre donc, sa supériorité sur l'animal? Est-ce qu'on ne va pas arriver donc, à ce que l'animal soit l'égal de l'homme? Donc là, c'est tout un débat qui fait peur, d'ailleurs, à ceux qui refusent justement l'idée d'une personnalité juridique de l'animal. En revanche, la personnalité juridique attribuée à une entité naturel, on n'y voit que des avantages, en fait, puisque tout le monde est concerné, justement, par la protection de l'environnement. Bah, on en parle constamment. Bah, on ne peut pas écouter une émission à la radio ou à la télévision sans qu'on nous ramène toujours au développement durable, à la biodiversité et à tout ce qui peut se passer de négatif contre l'environnement. Donc là, automatiquement, donc, ça va. Ça va donner une valorisation, et je me demande, mais là c'est simplement une hypothèse, je ne la souhaite pas, loin de là, mais je me demande si les citoyens français ne seraient pas plus sensibles ou accepteraient plus facilement la reconnaissance de la personnalité juridique d'un élément naturel que la personnalité juridique de l'animal. Parce que l'animal, quel est-il? Alors, les chasseurs vont dire, mais c'est un scandale, quoi, que je vais plus pouvoir tirer mon sanglier, n'est-ce pas? Donc, ou poursuivre mon cerf jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Donc, comment vais-je pouvoir traiter mes buis qui sont dévorés par la pirale, n'est-ce pas? Bon, parce que la pirale aura des droits maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on peut, cette espèce d'imaginaire qui fait qu'on mélange tout, hein, et qui fait qu'on n'arrive pas à aboutir au résultat. Enfin, il y a quand même des propositions de loi. La proposition de loi de Loïc Dombreval, à laquelle tu as participé dans la rédaction, qui bon, pour l'instant est un peu à l'état d'arrêt, parce que il y a eu depuis 2018, l'automne 2018 a été assez chaud. Voilà, donc même le printemps, donc il y avait d'autres préoccupations, mais visant à reconnaître la personnalité juridique de l'animal, je crois, plutôt orienté vers les grands singes. Donc s'il y avait
Parce qu'il faut commencer, si vous voulez. C'est ça le problème. C'est que le juriste doit, bon, évidemment, traiter les problèmes qui se posent à un moment donné. C'est le cas du juge, en fonction d'une loi qui existe. Que peut faire le chercheur, le juriste chercheur? Ben, c'est d'imaginer le droit. C'est d'essayer de trouver à partir des techniques, voire de créer de nouvelles techniques. Imaginez bien quand même que la notion de patrimoine d'affectation, le fait d'affecter un patrimoine sans qu'il y ait une personne, une stupidité, donc que disait-on pendant des siècles, et aujourd'hui vous avez l'EIRL, donc l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, donc vous avez une personne qui peut diviser son patrimoine entre son patrimoine personnel et le patrimoine affecté à son activité, patrimoine d'affectation. On a donc créé quelque chose de tout à fait nouveau. Donc il faut aller plus loin. Et évidemment, chaque fois que l'on veut innover, eh bien, on froisse donc, des idées reçues, donc on brise des conservatismes, et on s'oppose. Vous parliez tout à l'heure de violence. Eh bien, Guérin avait écrit « La lutte pour le droit ». Donc le droit s'inscrit dans un climat de conflit. De toute façon, il y a des intérêts économiques, intérêt politique, donc qui fait que bien le juriste a du mal à avancer. C'est pas parce qu'il a du mal à avancer qu'il doit renoncer. Voilà. Et nous, on est là pour essayer d'imaginer, enfin, vous aussi, puisque c'est surtout vous d'ailleurs plus d'accord que nous, mais vous êtes là pour justement faire avancer la protection donc d'un environnement par le biais donc, du droit. Et je pense que la personnalité juridique est un outil pour y parvenir. Après, il faut peut-être s'interroger sur la manière d'y parvenir. Vas-y. justement, c'est ma prochaine question. Quand je vous ai mené, depuis qu'on parle de ces questions juridiques ou de l'identité naturelle, on prend beaucoup d'exemples, plusieurs exemples qui ont été dans l'actualité récemment. Quand je vous en ai parlé, vous m'avez parlé également d'un exemple que je ne connaissais pas, un exemple du droit français, qui vient du Code de l'environnement de la province des îles Loyauté, qui est une des provinces de la Nouvelle-Calédonie. Peut-être pour qui dans ce code reconnaît que certains éléments de la nature pourront se voir reconnaître une personnalité juridique dotée de droits qui lui sont propres. Est-ce que vous pouvez, prenons cet exemple ou pas, comme vous le souhaitez, mais nous expliquer un peu le trajet juridique? Comment on en arrive, comment on pourrait en arriver, pour ce qui nous intéresse nous, à décréter une personnalité juridique ou à la rendre agissante? Il y a le texte là-bas, si vous voulez lire le texte là. Alors, depuis 2008, je crois, depuis que la constitution de l'Équateur, je crois, a reconnu la personnalité juridique à la Pachamama, il y a tout un mouvement de personnification d'éléments de la nature, un fleuve en Nouvelle-Zélande, les glaciers ici, la Wilder, la femelle chimpanzée Cecilia, par le tribunal de Mendoza au mois de novembre 2016, et ainsi de suite. Donc il y a une espèce d'effervescence autour de la personnification d'une entité autre que les êtres humains. Et on voit que ça part un peu dans toutes les directions. Ça peut être un être sensible, la femelle chimpanzée Cecilia, ça peut être des entités naturelles menacées de disparition, ça peut être, comme en Nouvelle-Calédonie, des espèces sauvages qui ne sont pas menacées de disparition, mais qui sont des espèces totémiques. Alors cette... Un point qui me paraît important, lorsqu'on parle de la personnification des animaux, de la Loire en France, il faut prendre garde au risque d'acculturation juridique, au risque de greffer sur notre système des personnifications qui viennent d'autres systèmes que le nôtre, par exemple des pays du Commonwealth. Il n'est pas tout à fait certain que ça va bien fonctionner. Et on aurait tout intérêt pour personnifier la Loire ou pour
personnifie les animaux, à rester calé sur nos principes à nous. Ça présenterait d'ailleurs un avantage majeur, c'est que aux États-Unis, Stephen Wise, dont je vous parlais tout à l'heure, a jusqu'alors échoué à faire reconnaître la personnalité juridique au grand singe et à l'éléphant Happy, parce que on leur dit, à la Cour suprême de l'État de New York, a dit à Stephen Wise, que la personnalité juridique, on saurait l'attribuer, mais on ne sait pas comment faire pour reconnaître des droits sans imposer parallèlement des obligations. Et c'est un vrai problème. Or, la personnalité juridique technique, telle que nous la connaissons en France, est d'emblée adaptée à la reconnaissance de droits sans imposer simultanément des obligations. Il y a toute une série d'exemples techniques. Par exemple, la masse des obligataires dans les procédures collectives. La masse des obligataires a des droits de nature procédurale. Il n'y a en face strictement aucune obligation. Et on peut très bien concevoir la personnification technique de tel ou tel animal, de l'avoir sur ces bases-là, avec des droits qui n'entraîneraient pas nécessairement des obligations. Pour les animaux, la personnalité juridique, ça serait, et bien entendu, aussi des devoirs, des obligations et des procès que l'on faisait au Moyen-Âge, au truc de falaise, et l'horreur absolue, et où va-t-on ? Non, il y a notre technique à nous, permet d'emblée de décorréler les droits et les obligations. Donc on peut avancer dans cette voie-là sans regarder ce qui se fait en Inde, ce qui se fait dans le Uttarakhand, ce qui se fait aux États-Unis. La personnalité juridique technique telle que nous la connaissons est un instrument particulièrement souple qui a eu des retentissements en Nouvelle-Calédonie. Alors, vous me direz quel est le chemin ? Eh bien, le chemin, c'est Roissy, Osaka, Nouméa. L'auteur du texte s'appelle Victor David, et en 2014, on raconte ma vie. Vous connaissez peut-être un des pères universels du droit de l'environnement qui s'appelle Michel Prieur. Et Michel Prieur a été invité en la province des îles Loyauté pour faire inscrire dans le code de l'environnement de la province des îles Loyauté le principe de non-régression pour lequel beaucoup d'environnementalistes combattent. Et je ne sais pas quelle bouche l'avait piqué, il en avait profité pour me faire inviter quelques temps plus tard pour parler de la personnalité juridique des animaux, pour savoir si on pourrait transposer la technique de De Vogue aux besoins spécifiques de la province des îles Loyauté. Et c'était en 2014, en 2017 ou 2018, je me trouvais à un colloque où Michel Prieur avait pris la parole en disant « L'avenir, c'est la province des îles Loyauté, voilà leur code de l'environnement qui vient de consacrer le principe de non-régression. » Et moi, j'étais reparti tout confus parce que j'avais jamais entendu parler de l'article 110-3 du Code de l'environnement. Et bien, voilà, chacun a sa taille. Mais Michel Prieur, c'est Michel Prieur, son principe de non-régression, il a été consacré. Et puis moi, ma personnalité juridique des animaux, ça a été réfugié. Personne n'a osé me le dire. Et puis, par acquis de conscience, j'ai farfouillé sur Internet et j'ai trouvé cet article 110. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est moi qui l'ai écrit, hein, j'en savais rien. Mais l'idée qu'on m'avait demandé d'aller soutenir là-bas, malgré moi, a fait son chemin. Et si elle a fait son chemin en Nouvelle-Calédonie, dans une des provinces, des trois provinces, pour l'objectif, ça serait de reconnaître la personnalité juridique à des éléments de la nature, vous avez le texte, et les premiers candidats, ça devait se décider cette année, je ne sais pas où ça en est, il faudrait, si vous poursuivez, inviter Victor David, qui est l'auteur du texte, et qui sait quels sont les prolongements concrets. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est pas très loin de la Nouvelle-Zélande, avec une aire culturelle un peu
semble. Donc les premiers candidats, c'était les requins et les tortues. Bon, si les requins de Nouvelle-Calédonie peuvent avoir la personnalité jolie en tant que quantité naturelle, je ne vois pas pourquoi l'avoir. Donc ça montre que la personnalité juridique ou petite technique, à partir du moment où on estime qu'à un moment donné c'est commode pour apporter une protection supplémentaire à une entité, c'est parfaitement possible. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie, même la province des îles Loyauté, qui est celle où la capitale est Ouvéa, c'est encore la France. Je voudrais simplement ajouter sur cette commodité de la personnalité morale que si on a, pour les besoins de la cause, une personnalité juridique avec des droits sans des obligations, certains voudraient bien mettre en place une personnalité juridique avec des obligations sans des droits, s'agissant de l'intelligence artificielle et des robots. Bon. Et la personnalité juridique des robots est envisagée très sérieusement. Mais là, c'est pour créer des obligations et pas de droits. Donc, vous voyez bien que, finalement, on met dans ce contenant, qui est la personnalité juridique, ce que l'on veut. C'est tout. C'est une technique juridique. Donc, et le droit marche avec des techniques. Il y a des objectifs à remplir et on se sert de techniques. Bon, qui, évidemment, obéissent au rationalisme et bon, à la logique. Hein, ce n'est pas de créer n'importe quoi. Donc, mais ça offre une certaine souplesse, je veux dire. Donc on n'a peut-être pas fini de voir d'ailleurs tous les avantages. Donc si on vous écoute, il y a un article très bien, du Code de l'environnement du droit français qui nous dit que certains éléments de la nature peuvent se voir reconnaître une personnalité juridique. Finalement, on y est. Donc c'est quoi le pas d'après, on se demandait hier en commission, c'est où est-ce que ça se joue? Ça se joue avec le législateur? Ça se joue dans l'Assemblée? Ça se joue où est-ce que ça se joue? Ça se joue, c'est la réalité. Ça se joue, ça dépend si on cherche immédiatement l'efficacité technique. Et si on ne cherche que l'efficacité technique, ça ne peut se jouer que devant des instances officielles, le Parlement. Si on cherche d'abord la portée symbolique, ça peut se jouer entre vous. Il y a un exemple qui est assez frappant, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle n'a strictement aucune portée juridique. Les pactes de New York, 1966, qui ont décliné les droits civils et politiques d'un côté et les droits économiques, culturels et sociaux de l'autre, oui, mais la Déclaration universelle des droits de l'homme en elle-même, aucune portée juridique. Il y a un exemple qui est encore plus proche de nous, c'est la Déclaration universelle des droits de l'animal, qui a été portée par une fondation qui s'appelle la Ligue française des droits de l'animal, qui l'a proclamé au siège de l'UNESCO en octobre 1978. Ce n'est même pas une déclaration de l'UNESCO. C'était au siège de l'UNESCO que cette fondation s'était invitée pour la Déclaration universelle des droits de l'animal. Ça n'a strictement aucune portée juridique. Et pourtant, dans le jugement rendu par Madame la juge Mauricio, qui a reconnu la qualité de personne juridique non humaine à la femelle chimpanzé Cécile. Je cite le juge Mauricio parce que tout le monde connaît l'animal, mais personne ne connaît le juge. C'est injuste quand même. Eh bien, elle s'est appuyée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui n'a strictement aucune portée juridique. Et sur l'article de cette première version de la Déclaration universelle des droits de l'homme, reconnaissant à l'animal sauvage le droit de vivre dans la nature et de s'y reproduire. Et vous voyez comment les choses s'enchaînent. La Déclaration universelle des droits de l'homme, zéro. Le tribunal de Mendoza, c'est la première décision, je crois,
croit au bon, reconnaissant, la personnalité juridique à un animal considéré comme un être sensible, en s'appuyant sur ce texte purement privé, mais à certaines portées symboliques. Et bien, le parlement de la Loire, poursuivant sa remontée de la Loire, puisque vous êtes parti de Tours, Loire, bientôt Orléans, et bien, un jour, peut-être au printemps 2021, au sourd de la Loire, c'est-à-dire au bois Chevalier, et non pas au pied du mont Gerbier des Joncs, parce que là, enfin, il faudra, si vous voulez donner la personnalité juridique à la Loire, il faut qu'il y ait un lieu de naissance. Et après, je crois qu'il y a des flottements sur la localisation du lieu de naissance de la Loire. Une fois que ce prérequis sera constitué, le Parlement de Loire pourrait très bien se retrouver aux sources de naissance de la Loire et nous proclamons, nous, Parlement de la Loire, lui reconnaissant à partir de ce jour la personnalité juridique avec tel droit qui aurait. D'un point de vue symbolique et médiatique, et il n'y a rien qui vous empêche. Vous ne seriez pas aussi avancé que la Nouvelle-Calédonie, puisque là, c'est l'Assemblée de la province des îles Loyauté qui a. Mais de fil en aiguille. J'en profite pour préciser qu'on ne se revendique pas comme le Parlement de Loire, mais qu'on étudie la possibilité d'un Parlement de Loire. Oui, mais la petite vient en agent. Admettons donc qu'on a. D'une manière symbolique ou plus ou moins symbolique, une loi, un texte symbolique ou non, qui reconnaît cette personnalité juridique. L'étape d'après, c'est le tribunal, donc. Mais c'est qu'il me mangerait sur le pied. Non, mais bon, la jurisprudence s'est déjà prononcée sur l'existence de la personnalité juridique, mais non pas sur la loi, évidemment, ou des entités. Mais sur des groupements, on a eu l'arrêt de 54 sur le comité d'établissement de Saint-Chamond. C'est une entité un petit peu plus sur cet arrêt. Non. Et puis il y a l'arrêt des chambres réunies de 1913 sur les syndicats professionnels. Donc ce sont des décisions qui reconnaissent la personnalité juridique. Dans l'arrêt Saint-Chamond, la Cour de cassation rappelle que la personnalité juridique n'est pas une création de la loi. Donc elle naît naturellement, mais pas tout ça, à partir du moment où il y a des intérêts bien distincts et des organes. Donc ce qui était le cas pour le comité d'établissement qui s'était formé, donc, ou un syndicat. Bon, là, ici, c'est un peu différent, parce qu'il faudrait créer une structure à la loi, à ce moment-là, avec une assemblée, conseil d'administration ou un représentant ou je ne sais quoi, donc qui fait qu'il y aurait, moi je pense que c'est quand même la voie législative qui est la plus, si on veut lui donner une portée juridique plus que symbolique. Bon, c'est d'ailleurs l'enjeu pour la personnalité de l'animal. On cherche quand même à ce que ce soit reconnu dans un texte. Donc, code civil, il y a toujours une première partie qui a été faite, mais bon, il n'y a pas la deuxième partie. Oui, mais les juges sont souvent beaucoup plus courageux et beaucoup plus avant-gardistes que les autorités politiques. Le premier animal doté de la personnalité juridique, c'est pas le Parlement à Chantin, c'est Madame le juge Mauricio. Et bien là, pour toutes les autres entités que les êtres humains qui pourraient avoir la personnalité juridique, pour en revenir à l'arrêt qu'a évoqué Jacques Leroy, c'était à propos des comités d'établissement. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le législateur a créé les comités d'entreprise en leur reconnaissant expressément la personnalité juridique. Et pas un mot sur la personnalité juridique des comités d'établissement. Or, il se trouvait un comité d'établissement à Saint-Chamond qui s'était organisé et qui voulait agir en justice pour développer ses activités sociales. Et il y avait l'écueil, voilà, on ne peut pas saisir la justice, on ne peut pas agir dans la
truc. Non, parce que vous n'avez pas la personnalité juridique. Eh bien, la Cour de cassation, dans cet arrêt de 1954, a dit c'est pas parce que la loi n'a pas reconnu au comité d'établissement la personnalité juridique qu'il ne peut pas l'avoir. Il pourra l'avoir si deux conditions sont réunies. Un intérêt distinct et des organes qui peuvent le représenter. Eh bien, le comité d'établissement a un intérêt propre, distinct de l'entreprise, du comité d'entreprise, et il y avait des organes pour le représenter. À partir du moment où ces deux conditions sont réunies, la théorie de la réalité technique permet de reconnaître la personnalité juridique à une entité à laquelle le législateur ne l'a pas conférée. Et bien, pour la Loire, il faudrait bien identifier l'intérêt distinct et il faudrait qu'il y ait parallèlement la construction d'organes qui seraient en mesure d'agir en son nom devant les tribunaux. Il y avait un certain arrêt Saint-Chamond, c'était un tribunal qui a dit que le comité d'établissement était des personnes qui pouvaient saisir un tribunal. C'était un peu décalé. Et là, si le législateur ne vous écoutait pas tout de suite, pour demain, mais pour les animaux, je suis persuadé qu'il y aura, dans le prolongement de la loi de 2015, un tribunal, peut-être même une cour d'appel, qui reconnaîtra la personnalité juridique à tel ou tel animal avant que le législateur n'en ait pipé mot. Donc, il ne faut pas négliger le rôle du juge pour faire avancer plus rapidement les choses, y compris pour la loi. D'autant plus que ce qui me revient à l'esprit, c'est à propos du préjudice écologique. C'est quand même dans l'affaire Erika, donc la Cour de cassation, la Chambre criminelle a lancé, cette notion de préjudice écologique qui ensuite a été repris donc, par le législateur dans la loi de 2016. Donc il y a des initiatives, hein, donc il y en aurait d'autres d'ailleurs, de montrer les initiatives des juges dans l'avancement du droit. Vous voulez parler du préjudice écologique, puisque j'ai vu que c'était marqué. Vous n'avez pas besoin de moi. Si, parce qu'on a bien répété. Oui. Allez-y. Pour me remontrer l'utilité concrète de la reconnaissance de la personnalité juridique à la loi, la question à laquelle je ne suis pas en mesure de répondre parce que je ne suis pas spécialisé dans l'environnement, c'est celle de savoir si la loi, en tant qu'entité naturelle, peut subir un préjudice écologique au sens de la loi de 2016. Et si oui, je pense qu'aller vers la personnalité juridique serait quelque chose de très précieux. Le préjudice écologique a été reconnu par le texte qui figure là-bas, un par la loi du 8 août 2016. Ça fait plus de 3 ans et je discutais récemment, il y a un mois ou deux, avec des spécialistes de l'environnement, notamment Gilles Martin, et beaucoup de spécialistes sont étonnés de ce que, depuis 2016, il y a eu si peu d'affaires. 8 ou 9, je crois. Alors que c'est une véritable révolution théorique et beaucoup s'attendaient à ce que les tribunaux croulent sous le nombre de demandes. Eh bien, pour le moment, ça ne marche pas. Et ce que Laurent Néré, qui est aussi un des pères de la loi, qui j'en ai entendu souffler les mots, à peu près à la même période, me disait « Oui, mais je sais pourquoi ça ne marche pas, c'est parce que les entités naturelles qui subissent les préjudices écologiques n'ont pas d'argent pour payer les avocats. » Et bien, la question, c'est de savoir, au moment de la rédaction de la loi, pourquoi n'avez-vous pas songé à reconnaître la personnalité juridique aux entités naturelles qui seraient susceptibles de subir des préjudices écologiques. Et Laurent Néré m'a affirmé qu'il avait soulevé l'hypothèse que ça avait été rejeté parce que c'était trop provocateur. Et je me demande, c'était provocateur, mais est-ce que ça ne serait pas là la faille du système? Lorsque on peut transporter quelque chose de nouveau,
hein, pour lui faire produire son efficacité, il y a un vieux moyen qui s'appelle le brancard. En devant, en derrière, et derrière en avance. Et il y a quelque chose de plus malin que le brancard, ça ne passe pas dans tous les terrains, mais c'est, ça s'appelle la brouette. Et qu'est-ce qui distingue la brouette? C'est la roue. Eh bien, je me demande si la personnalité juridique technique, ce n'est pas la roue qui manque pour que le préjudice écologique transporte concrètement des solutions nouvelles. Avec la personnalité juridique de la Loire, si elle peut subir un préjudice écologique ou de n'importe quelle autre entité, là, il y a des droits propres. Il peut y avoir un patrimoine propre avec des fonds propres drainés par opérations d'Internet et autres, et là ça peut changer concrètement les choses. Bien pour la loi, ça serait peut-être le bon exemple. Prendre la loi comme prototype de la personnification d'un élément naturel pour mieux pouvoir concrètement réparer le préjudice écologique qu'elle subit, si tant est qu'elle en subisse. Mais là, je ne suis pas qualifié pour le dire. Pour juste revenir un instant sur la différence entre le chemin qui mène au Parlement législatif, donc l'Assemblée nationale, Sénat, et le chemin qui amènerait donc au juge, même si le juge peut effectivement donc innover et reconnaître la personnalité juridique, bon, à l'occasion, comme la Cour de cassation a pu le faire dans l'affaire Erika s'agissant du préjudice écologique, il ne faut jamais oublier qu'il y a une règle en droit français qui est l'autorité de la chose jugée, qui est l'autorité relative. C'est-à-dire que le juge statue à propos d'une affaire donnée et qu'il peut très bien donner une autre solution si le contexte est différent dans une autre affaire. Donc il n'y a pas, les arrêts de règlement n'existent pas et sont rejetés depuis le Code civil, depuis 1804. Bon. Donc, mais en revanche, ça peut être une première étape justement conduit voilà, quand ça se répète. Alors évidemment, si ça se répète, là, ça incite, pour ne pas dire plus, le législateur à prendre ses responsabilités et à ce moment-là, à modifier la loi, à la créer. Et si vraiment il considère que c'est mal ce qui s'est passé devant les tribunaux, à ce moment-là, prendre une loi contraire. Mais là, du coup, il y a un débat au Parlement et la société appréhende et donc le problème et le traite dans un sens ou dans un autre. Donc on arrive au bout de cet entretien, mais je me permets une forme de synthèse. Vous me dites si j'ai juste. Il faudrait donc un groupe qui se sente légitime à représenter ses intérêts. Il faudrait des intérêts propres et il faudrait une affaire. Il faudrait une affaire nous permettant de un juge, par exemple. Juste. Donc on va passer à l'édition suivante qui va nous permettre de voir s'il y a peut-être des préjudices écologiques. Merci beaucoup.